Salut, salut, salut à tous. Alors, bienvenue sur ce nouveau live que je ferai une fois par semaine. Alors je vous dis tout de suite, ça va être un live qui va être rediffusé, donc je vais enregistrer le live et le partager sur IGTV comme une série pour que tout le monde puisse le revoir après et de façon à ce que aussi on puisse vous puissiez poser des questions sur IGTV et que je puisse y répondre et surtout avant tout pour que ça reste un contenu qui soit disponible tout le temps en fait, parce que les lives du vendredi que je fais depuis 3 semaines, 1 mois là, sont vraiment sympas, ça vous fait plaisir, moi ça me fait énormément plaisir, ça me donne beaucoup de force pour faire beaucoup d'autres choses aussi. Mais bon, on ne pouvait pas les re-regarder, donc si on n'est pas là le vendredi à 4h20, eh bien, le live, on peut pas le voir. Alors voilà, j'avais envie de vous partager un live. Un live parce que pour vous présenter des produits, faire des unboxing. Parce que le live, j'ai beaucoup plus de feeling avec le live que de devoir me filmer et après faire un montage vidéo. J'arrive jamais à trouver le feeling. J'arrive pas à le trouver pour le moment, du moins. J'espère qu'en faisant des lives, ça viendra et que j'arriverai à développer la chaîne YouTube. Parce que depuis qu'on l'a développé, j'avais promis des vidéos régulières et j'ai pas réussi à tenir ma promesse juste parce que j'arrive pas à être forcément à l'aise avec la caméra, à part avec le live. Allez comprendre pourquoi, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est le cas. Et donc, je me fais un petit kiff à partager des lives avec vous. Et si ça vous fait plaisir, encore mieux. Donc voilà, ce live aujourd'hui, on n'y a pas donné encore de nom. C'est le premier, sera le premier live diffusé sur IGTV et disponible en continu en fait. Et donc on va essayer d'y trouver un petit nom pour donner un nom à cette série quoi. Voilà. Le premier, on va le faire en mode unboxing. Donc il y a pas mal d'objets là-dedans. Le colis n'a pas encore été ouvert. Je l'ai depuis la semaine dernière. Et je voulais tellement vous faire un unboxing, l'ouvrir avec vous. J'ai réussi à patienter. Bon, je sais ce qu'il y a dedans. Mais je sais que ce qu'il y a dedans peut être un peu fragile en fait, vous allez voir quand je vais ouvrir. Et du coup, j'avais deux fois plus envie de l'ouvrir rapidement quoi. Mais bon, j'ai préféré patienter pour vous faire ce premier live unboxing. Donc chaque live, je les ferai le mardi. J'ai pas déterminé l'heure encore à chaque fois, mais on va dire peu importe l'heure parce que de toute façon, il sera retranscrit. Le soir vers 20h, 21h, il sera reposté sur IGTV, donc tout le monde pourra le voir ce soir ou plus tard, quand vous voulez. Vous pourrez en profiter, comme je disais tout à l'heure au début, pour poser des questions et ça me permettra de répondre à toutes vos questions. Le live, il y aura un objet de présenter à chaque fois ou un unboxing. Là, c'est unboxing, donc je vais sortir des objets, mais je ne parlerai pas de tous les objets en détail. On va juste les sortir comme ça. Et présenter un peu mais assez rapidement et je ferai un live IGTV, live série quoi, avec un seul objet à chaque fois et on essaiera d'en parler vraiment en détail. Je trouve que ça peut être du bon contenu parce que il y aura un maximum d'informations dans le temps en fin de compte. Quand vous allez chercher un produit, chercher des renseignements sur un produit, et bien vous pourrez retrouver un max de renseignements et ça sera enrichi en permanence avec le système de série IGTV. Donc c'est ça qui m'a branché aussi beaucoup, c'est que je pense que ça peut devenir un contenu super riche avec le maximum d'informations, le meilleur contenu disponible en fait pour parler d'un objet. Voilà. Bon, on va attaquer le unboxing parce que ça fait quand même quelques jours que j'ai ce carton et je vous avoue que j'en peux plus, j'ai trop envie d'ouvrir. Alors, je sais pas trop si je suis bien calé. Parce que je l'ai fait un peu différemment que d'habitude, j'ai pas le téléphone en face de moi et donc je verrai pas vos commentaires non plus. Le son, je sais pas s'il est terrible parce que je suis un peu loin du téléphone, mais ça sera réglé plus tard. Je vais faire l'acquisition de micro pour que vous ayez un son nickel. J'espère que ça le fait. Bon, je vais pas aller vérifier parce que sinon ça me demande d'aller devant le téléphone et dans ce cas-là, vous ne me verrez plus. Et j'ai envie d'ouvrir ça. Alors, je me suis fait couler une petite infusion. Infusion My Growing, pomme menthe, c'est une infusion à base de CBD. Hein. Donc celle-ci, elle est composée de morceaux de pommes, de thé vert, d'écorce de citron, de menthe, de pétales de bleuet
et Dextre Sativa L. Je vais vous montrer de près que vous voyez bien. Voilà. On a quelques. Je crois qu'on a toute la gamme infusion MyGrowing sur le site dans Infusion CBD. Infusion de folie. Donc je tenais à m'en faire une aussi, une pomme menthe pour après le repas, parce que je viens de manger et la menthe pour la digestion, c'est top. Donc j'ai dit, je vais me faire couler cette petite infusion là. C'était l'occasion aussi pour inaugurer la tasse cadeau de Dynavap qu'on a eu pour 2020. Pour 2020, on a eu droit à des petits cadeaux Dynavap vraiment sympas. Donc c'est une tasse isotherme Yeti. Elle est vraiment tip top. Vous voyez, elle a un couvercle. Donc c'est une tasse de trek. Hein. Et on peut laisser le couvercle et déguster son infusion en même temps. C'est encore un peu chaud. Et du coup, ça tient bien au chaud. Je vais peut-être ouvrir le couvercle. Je vais faire de la place pour qu'on puisse voir le unboxing comme il faut aussi. C'est une tuerie, ces infusions. Alors oui, avant de passer à l'unboxing, encore un dernier truc. Les infusions, elles servent aussi à faire des rhums arrangés. Je crois que je l'ai mis sur le descriptif court des produits. Apparemment, faire des rhums arrangés avec des infusions MyGrowing, c'est juste une folie. Donc, j'ai pas encore essayé parce que je suis pas un furieux amateur d'alcool. Quand même, j'y pense. Donc, à faire et à revoir dans un futur live, ça pour le coup. Allez, je vais mettre ça de côté. Ça, on n'est pas obligé de le voir. Hop. Et je crois qu'on va passer direct à l'unboxing. Là, je ne peux plus d'attendre. Je vais ranger mon matos. J'espère que pour vous, c'est OK. De toute façon, c'est le premier. Et puis, j'améliorerai ça dans le temps. Bon, j'espère juste que le live ne coupe pas parce que sinon, je ne le vois pas du tout. Je ferai un petit check peut-être un moment quand même. Je crois que je vais checker maintenant parce que je me suis mis le doute en fait. Je me suis mis le doute en me disant, je vérifie que c'est connecté. Yep, c'est connecté. Ah, je vois qui c'est qu'il y a dans le live et tout, top. Bon écoute, j'espère que ça vous fait plaisir. Qu'on fasse ce petit live unboxing tranquillou. J'ai mis un petit fond de musique aussi derrière. J'ai choisi un petit thème jazzy, les indispensables. Se mettre en mode détente. Et le vendredi, par contre, on fera un live fire burning. Allez. Alors là, bon, moi je sais ce qu'il y a dedans un peu. Pour vous, ça va être la surprise. Mais là, c'est surprise de ouf. Surprise de ouf. Allez. Donc, c'est comme ça à l'intérieur parce que c'est que des articles en verre en fait. Voilà. Voilà pourquoi je disais que j'avais deux fois hâte de l'ouvrir parce qu'il y a du verre à l'intérieur, ça vient de loin. Et j'avais envie de savoir s'il y avait de la casse ou pas dedans. Bon, ça a l'air d'être super bien emballé, ça n'a pas l'air d'être cassé. Ah, mais moi je sais ce que je découvre, c'est vraiment trop beau. Je suis euphorique d'ouvrir ce paquet. Je vais essayer de le faire durer un peu le live. Même si j'ai quand même beaucoup de travail aujourd'hui, je me suis levé hyper tôt pour essayer d'assurer. Donc voilà, première petite démo. Et ça, les connaisseurs reconnaîtront. Regardez ce qui rentre dans le shop. Voilà. Donc celui-là, c'est une spirale vert adaptable bubbler, ok? On peut s'en servir directement. Ok? Adaptable Dynavap, bien sûr. Alors, je ne ferai pas de démo dans les live séries, c'est vraiment pour présenter les objets. Je ne veux pas faire de tests. Les tests, je les fais le vendredi sur les lives les lives 420 du vendredi. C'est suffisant. Voilà. À savoir une chose, aujourd'hui, j'ai pas vapoté, pas smoké. Ça fait plus de 15 jours que je ne smoke plus du tout et que j'ai plus envie de smoker du tout. Et je compte bien rester sur le truc de la vape. Et tout ça grâce à Dynavap. Franchement, il faut que je ramène un bubbler là pour le tester. Ça donne juste envie de l'essayer quoi. C'est magique. C'est vraiment magique. J'espère que vous voyez bien. Comme je vous dis, c'est la première émission. Je filme sans avoir l'écran en face de moi. Donc je ne vois pas niveau commentaire. Et je ne vois pas non plus le cadre. Mais on fera dans le temps une amélioration. Je vais chercher un bubbler. Hop. Donc
Voilà, un petit bubbler catalyseur. Hop, on va mettre ça de côté. Paf. Donc, la spirale à verre pour Dynavap, adaptable bubbler directement avec un verre brossé à ce niveau-là et conique pour faire l'étanchéité. Bah, bam, ça donne juste envie d'essayer, mais je suis comme un fou là. J'ai l'air tout calme, tout tranquillou, mais j'ai juste envie de pousser le truc et d'aller l'essayer. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis trop content. J'espère que vous voyez bien. Je vais le laisser en. Je vais peut-être le laisser en visu. Hop. On va faire ça. Il y a un peu de bordel. J'espère que ça le fait. Et je vais ouvrir autre chose parce que des trucs en verre, il y en a plein. Il y en a plein des différents. Alors, c'est parti. Deuxième objet. Alors, je ne sais plus combien il y a d'objets en tout. Je sais pas s'il y a. La facture ou pas. Non. Pour voir les objets qu'il y a dedans, il y a un petit bonbon chocolat qui m'a été offert. Merci pour le petit bonbon chocolat. Alors, deuxième objet, j'ouvre un peu au hasard, hein. Il y a des fois je retomberai sur le même sûrement, parce que c'est pas très visuel pour le coup. C'est vraiment des verres artisanaux, pas de package comme dans l'industrie ou... De marque à titrer à ces objets en verre. Oula, c'est celui-là, c'est celui-là que je voulais ouvrir en dernier, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, voilà ce qu'on a. Alors, ça vous parle peut-être pas là tout de suite, mais ce que je vais faire, je vais ramener ce qu'il faut pour vous montrer et pour parler de ça un peu plus en détail. Paf. Voilà. On va faire comme ça. Tac, tac, tac. Hop, on va récupérer les trois chips. Hop, et hop. Donc, vous l'aurez compris, c'est un triplex vert pour Dynavap. Donc, j'ai fait le dernier live en parlant du triplex Magiter. Mais ça, j'avais vraiment hâte de le rentrer. Ça, c'est juste la folie furieuse. C'est le délire. Hop, je vais enlever ça pour vous montrer. Le petit triplex adaptable bubbler. C'est juste magique. Alors, pour l'utilisation, on le prend comme ça. On le prend dans la main. On fait chauffer le triplex. Ok. Avec un gros briquet torche, pas avec un petit briquet torche. Ça, c'est pour un vape cap, c'est bien. On fait chauffer ça avec un truc un peu costaud. Je vais vous montrer quoi par exemple. Bon, désolé, je fais que bouger, mais je croyais que j'étais super préparé apparemment. Non. Donc voilà, quand on utilise deux ou trois vape cap en même temps, pour du triplex par exemple, on prend un briquet qui fait 3-4 torches, un peu costaud. Ça, c'est mieux. Et on fait attention à la distance à laquelle on se met. Ok, pour faire cliquer ça en douceur. Ça, je me languis de test avec vous. Vendredi, ça va être le feu. Vendredi, je me mets 2 heures avec vous en live. Et fire burning, ça va être le délire. Paf, triplex, Dynavap, ça, je vais bien vous montrer. Je suis méga, méga ravi de recevoir ça. C'est magnifique, un verre en plus. Et bam! Donc ça, c'était pour la version adaptable bubbler. Donc je vais poser ce verre à côté. Hop. Ah ouais, cool. Le verre spirale, il a deux petites tétines en verre ici qui permettent en fait de le caler. Vous voyez, sur la table, je le pose, il est carrément calé. Au moins, il roule pas, il ne peut pas aller tomber. Vraiment cool. Ils sont passés à tout. Donc ça, c'est du triplex. Ah, un autre truc. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller. Je vais mettre ça. Je vais peut-être mettre ça hors champ. Pour que ça ne passe pas trop dégueu sur la vidéo. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? What? What is this? Ah, ça va être magique, je crois. Ça va être méga magique, ça. Donc ça, c'est un petit bubbler portatif. Vous voyez la taille qu'il fait.
regardez à côté d'un VarCap sans le chip. Ok, c'est un mini bugler portatif. Alors normalement j'ai le joking avec moi, je vais voir si on arrive à faire quelque chose. Non, c'est pas là. Alors ça doit être directement pour mettre un tip dessus. Ici avec ça. Donc je découvre avec vous en même temps aussi. J'ai pas, pour le coup, j'ai pas ouvert le paquet avant. Ok, voilà. Donc on peut y mettre un tip d'Inavap directement dessus. Ok. Donc le chauffer, il y a l'eau ici à l'intérieur. Et ça nous fait un mini bubbler portatif. Alors, j'ai quand même checké un truc parce qu'il me semblait qu'on pouvait adapter dessus celui-ci. Non, apparemment non. Donc voilà, mon petit bubbler portatif en verre. Et on va continuer le unboxing parce que je suis méga pressé de savoir, de découvrir les autres objets. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a un petit peu de casse. Ah, ça, il fallait que ça arrive. Ah, ben, comme ça, je pourrais montrer à mon cher ami Sneaky Pet le unboxing et prouver ma bonne foi. Ah, dommage, il n'y en avait qu'un en plus de ces bubblers. Bon, ben, le pied du bubbler cassé. C'était un mini bubbler d'Inavap. Cassé. Dommage. Bon, du coup, je ne le présente pas. Alors, sachez que sur les objets en verre, sur les tiges en verre, on fait un méga emballage. Là, j'avoue que c'était un peu léger. Il y avait juste une couche comme ça avec ce bubbler-là. Donc, mon ami, my friend, Sneaky Pet, it's light, very, very light for shipping, my friend. Ok. Ensuite, on va passer à autre chose. Donc, ça, il n'y en avait qu'un. Du coup, il n'y aura pas plus de casse que ça sur ce produit-là. Ça, c'est les mini bubblers, les triplex, les mini bubblers, triplex. Allez, tout ça, c'est déjà ouvert, on peut mettre de côté. Alors là, je vois une petite spirale. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent maintenant. N'envoyez pas, ne posez pas des questions, je les vois pas en fait. Comme vous pouvez voir, je suis loin du téléphone et j'ai pas la face du téléphone vers moi, donc je vois pas vos questions. Yeah! Oh, c'est magnifique, ça j'adore. Ça, il va y en avoir un sur mon bureau et il va être utilisé tout de suite après, c'est clair. Donc la spirale, comme tout à l'heure. Sauf que celle-ci, c'est une version plus directe avec un embout buccal pour inhaler un petit peu plus agréable que ça peut-être. Par contre, pour le coup, ça ne s'adaptera pas sur le bubbler. Ou peut-être que si, mais c'est pas vraiment conçu pour. Ça peut. On peut le faire jointer. Bon. Donc voilà, petit bubbler. Je vais y mettre un type d'Inavap pour faire un test. Alors pour le coup, ces lives-là, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir voir vos commentaires parce que ça serait bien que je puisse y répondre en même temps au passage. Ça peut être cool. Mais sinon, comme je vous disais, je vous rappelle, ça sera sur IGTV et vous pourrez commenter le IGTV et moi, je pourrais venir y répondre. Donc vraiment, ça sera un contenu qui sera enrichi au fil du temps. Voilà. Celui-là, c'est le mien. It's mine, ok ? Vert en plus comme la boutique Vapeur Shop, comme le verre de Vapeur Shop. C'est déchirant. C'est magnifique. Magnifique. Je vais poser là celui-là. Hop. Allez, la suite. Donc des bubblers spirales vertes, couleur verte. On en a quelques-unes. Il n'y a pas l'air d'avoir de casse, c'est cool. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Bubbler, spirale pour bubbler. Donc, on a la spirale aussi couleur orange. Comme ça, on peut proposer deux couleurs dans la boutique. Alors, je vais essayer de les mettre en ligne rapidos. Ça ne sera pas en ligne aujourd'hui, je pense. Mais d'ici vendredi, ça sera sûrement en ligne. Et du coup, je vous en reparlerai et on pourra
Je pourrais les tester en direct et vous pourrez voir le résultat. Ok, donc c'est un modèle, ça c'est un modèle différent. Déjà, il est légèrement plus lourd. Alors, vous pouvez voir au niveau de la taille s'il se ressemble. Il est légèrement plus court. Par contre, celui-là, il a des picots en fait. Donc là, on a un verre avec des picots tout le long. Donc vous savez que les picots dans le verre, ils servent à perturber la vapeur et à créer en quelque sorte un effet vortex, si je puis dire. Et donc voilà, celui-là, la spirale orange avec picot, la spirale verte, originale, ok, magnifique. Ces objets, ils sont magnifiques. Alors bien sûr, c'est peut-être pas des objets qu'on peut transporter facilement, ou du moins qu'on peut sortir en public facilement, ça, c'est un peu space, ou au moins qu'on fasse des spectacles peut-être. Et encore, c'est à qui bon semble de juger ça, parce que si on a, comment dire, si on assume totalement la vape et qu'on a envie de le sortir devant tout le monde, eh ben, c'est même un bon moyen de présenter les produits. Donc voilà, la version orange avec picot incrusté dans le verre. Bam! Donc voilà, les verts, les oranges, ok, ça, il n'y a pas l'air d'avoir de casse dessus, c'est cool. Il n'y a vraiment que ce petit bubbler là qui s'est cassé, je crois. J'espère. Ça serait bien parce que c'est vraiment des objets que j'avais envie d'avoir dans la boutique. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Yep. Ok, le petit sticker. Vass is real. Offert par Sneaky Pete. J'avais vu sur son profil Insta qu'il avait fait faire ses nouveaux stickers. Ils ont l'air vraiment, vraiment qualité de ouf. Je me demande s'ils sont pas phosphorescents, les trucs. Ils sont super épais, ils sont beaux. Voilà. La petite carte Packet this for you. Thank you, Peter. Ben, merci à toi, Peter. Merci beaucoup, je suis heureux de travailler avec toi pour cette première commande. J'espère qu'on travaillera de plus en plus ensemble. Ok, ça c'est ma facture. Très bien, très bien. Donc voilà, le unboxing, il est terminus. Je vais enlever ça pour faire de la place un petit peu. J'ai franchement vraiment envie de les tester avec vous, mais pour le coup, ça sera vendredi. Ah, l'infusion My Growing, c'est juste une tuerie. Moi qui aime. Alors, je consomme plus de sucre. Je suis un buveur de café. Je bois 2-3 cafés par jour, là. Et j'aime bien sucrer le café normalement. Depuis un petit moment, je suis les épisodes I Am Concept sur YouTube. Donc, depuis les confinements, I Am, ils sont privés de leur tournée dans leur organisation. Donc, ils ne peuvent plus faire de concert. Et je me suis mis à suivre leur émission parce que déjà je suis en kiff depuis tout petit. Les premiers sons que j'ai écoutés, les premières cassettes dans mon Walkman, c'est des cassettes d'IAM. Je ne sais plus quel est le premier album, c'était pas Ombre et Lumière, c'était un autre album avant, je crois Planète Mars. Bon bref, je ne vais pas commencer à dire si c'est pour me planter, surtout pour mes idoles. Et donc depuis que je suis leur émission, émissions qui sont super enrichissantes au passage, les mecs, je veux dire, ils font leur petit truc, petite émission sympa, et ça parle de tout et de rien. Et ça a parlé du sucre, passé un moment, j'ai bien kiffé. Et grâce à Akhenaton d'ailleurs, gros big up à Akhenaton, gros big up Chill, parce qu'il m'a fait connaître l'érythritol. Donc en fait, c'est. Mais je vais vous le montrer en fait, au passage, ça prend un supplément. J'arrive. Donc voilà, vu que j'aime bien le sucre, moi dans mon café, j'aime pas le café sans sucre, hein, mais je vais remplacer par ça, érythritol. Donc c'est un sucre zéro glucose, sucre sans sucre, à base de pommes de terre, je crois, et de betteraves. Et c'est pas mauvais pour les dents, c'est zéro calorie, il y a vraiment zéro calorie dedans, du coup, ben, c'est une bonne alternative pour sucrer, on peut faire les pâtisseries avec et tout. Voilà, bon, je vais pas faire la pub pour eux. Du coup, depuis, mes infusions, je les sucrais et maintenant je les sucre plus. Et de toute façon, les infusions My Growing Company, franchement, on n'a pas besoin de les sucrer. Elles sont méga parfumées, quoi. C'est de la bombe. Voilà, voilà tout. Donc, j'espère que ce petit live
vous aura plu. Je ne vais pas m'attarder plus parce que le fait de ne pas voir vos commentaires, c'est assez frustrant, je dois vous avouer. Donc, je vais essayer de présenter ça histoire que vous voyez tous les objets. On va faire comme ça. Comme ça. Hop. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Je rappelle pour ceux qui arrivent maintenant, s'il y en a qui arrivent maintenant, retranscrit d'ici ce soir sur IGTV dans une série. Donc, vous verrez, il y a plusieurs séries sur notre IGTV. Il y a une série, je crois, Dynavap, je sais plus. Il y a une série Chill Time parce que je me suis lié d'affinité avec Chill Hums de chez OHM Bros. Donc, avec qui il y a eu un super feeling. Et j'ai créé une petite série dans notre IGTV où vous pouvez suivre ces Chill Time. Donc, on s'est arrêté, je crois, au Jazz 6. Mais je vais continuer à les reposter régulièrement. Je crois qu'ils en sont au Jazz 20, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, c'est juste histoire d'avoir la continuité sur notre profil aussi. Donc, sur notre profil, sur IGTV maintenant, vous pourrez suivre des lives d'Inava. Vous pourrez suivre les Chill Time de Chill Hums. Donc, les Chill Time de Chill Hums, c'est des tests CBD, des tests en combustion beaucoup. Mais bon, moi j'ai rien contre les gens qui veulent utiliser la combustion. Hein. Je les aide juste à s'en séparer si besoin. Voilà. Et vous pourrez suivre ben, ce nouveau concept de live IGTV, live unboxing, live démo produit. Alors, démo, c'est plutôt descriptif produit, pas démo, puisque je ne ferai pas de démo pendant ces lives-là. Je me ferai toujours une petite infusion pour faire ça embêtant avec un petit fond de musique. J'essaierai d'améliorer en pouvant voir vos commentaires peut-être afin de pouvoir y répondre en même temps. Ça peut être sympa aussi. Ça peut aider à faire durer le live. Parce que c'est vrai que là, une fois que l'unboxing est passé, le fait de ne pas voir vos commentaires, ben, si j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu, ça peut manquer un peu d'interaction. Bon, j'espère que ce live, ce premier live vous aura plu. Ben, si vous a plu, envoyez des cœurs, envoyez-nous des messages, envoyez-moi des messages, ça me donne de la force à chaque fois. C'est ce qui a fait que ce live, j'ai voulu faire ce live aujourd'hui. J'ai programmé ça hier, j'y ai pensé hier et ça part déjà aujourd'hui parce que vous m'avez donné la force pour envoyer ce truc. J'ai vu que vous étiez motivé, il y a eu 100% de réponses comme vous avez pu voir dans la story, 100% de réponses positives qui demandaient oui, on fait ce live. Donc voilà, ce live il est fait. J'ai essayé de faire un petit peu de déco, je ne sais pas si vous avez vu, un petit peu de color qui change derrière. Voilà, ben j'espère que vous avez trouvé ça bien kiffant. En tout cas, moi, je kiffe de recevoir votre énergie, de partager cette passion d'Inavap avec vous. C'est vraiment la passion d'Inavap qui a fait naître Vapeur Shop et qui commencera peut-être à me faire vivre de passion parce que voilà, c'est vraiment une passion, je fais ça purement par passion jusque là et je continuerai à le faire passionnément jusqu'au bout. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous donne rendez-vous plus tard sur le IGTV et rendez-vous aussi vendredi 4h20 PM, ok, vendredi 4h20 pour faire un live fire. Ceux-là, je vais les appeler les Live Fire, les lives du vendredi, parce qu'on s'ambiancera avec le son, toujours un thème musical au rendez-vous. Et plein de vapes aussi, on fera plein de vapeurs, je ferai plein de vapeurs. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci d'avoir suivi, merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui regarderont. Merci à tous ceux qui partageront. Je vous kiffe, plein d'amour à vous. À plus tard. Tchuss.